Cette vidéo n'aurait pas été possible sans Sainte Roberta. Allez vous abonner, bordel. Lorsque je faisais partie du club de jardinage, nous offrions un puits à chaque nouveau membre. Mais pas n'importe quel puits, un puits magique. Je pense avoir fait tout comme il le fallait, mais j'ai peur que ça ne se passe pas comme prévu. C'est au dieu Didier de décider s'il conférera des pouvoirs magiques au puits. On dit de lui qu'il est partout et nulle part à la fois, donc j'espère qu'il est bien présent dans cet univers. Hello les petits gus! Comme vous avez vu, Cathy a utilisé ses ressources du club de jardinage pour apprendre une technique de drague invincible. On ira appeler le petit Don pour un rendez-vous ou même juste l'inviter ici. Pourquoi pas avoir un petit repas avec lui, je ne sais pas, tester cette fameuse technique sur lui. Sonia et Vladish ont grandi tous les deux, donc écoutez, on est ravis. On va pas perdre de temps, on va appeler Don et on pourra lui servir un petit déjeuner tout simplement. C'est vrai, j'avais oublié qu'on avait le truc de terrain. Bon, on l'invitera tout simplement. Mais par contre, on peut commander de la bouffe parce qu'on en aura besoin. On va commander tout ça. Oh, il est déjà là. Beaucoup de gens m'ont dit que ce Don-là n'était pas digne de Cathy. Ce que je comprends tout à fait, mais je ne contrôle rien. C'est Cathy qui est maître de son destin. Il a l'air déjà un peu chaud bouillant. Hein. Oh, utiliser la technique de drague ultime, ça va être quoi? Bah, c'était vraiment une technique de drague ultime, hein. Premier baiser du coup. Bah, prends tes petites livraisons et puis tu pourras lui faire à bouffer aussi à ce Don. Cuisiner ensemble avec Don et on va faire ragoût de récolte. À 9h du mat, ça passe. Bon, ça n'étonne point que Don ne bouge pas le moindre bout de son cul. En même temps, j'ai qu'un comptoir. Hein. Ah non, il aide. Il aide, regardez là le cuistot. Il aide quand même un petit peu. Mais il s'aime bien. Hein. Sentiment proche, j'estime qu'ils vivent ensemble, restent ensemble. Sans nos retours, nous n'existerons pas. C'est la nourriture qui nous a créés, c'est la nourriture qui nous relie. Qui nous a créés, je ne crois pas. En tout cas, on m'a pas appris ça à l'éducation sexuelle, mais bon. Ah, on n'a qu'une chaise. Merde, attendez. Ah là, il y a une chaise de plus. Viens manger, du con. Ah bah non, j'ai rajouté une chaise pour rien, du coup. Vous mangez devant la télé, comme un vieux couple. Elle n'a pas énormément de vie, la Cathy, donc j'hésite à peut-être lui faire faire un souhait. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Moi, je dis qu'on pourrait même faire un petit crac-crac. Je crois qu'ils n'ont pas de place pour faire crac-crac. Oh là là, tout ça pour faire crac-crac, hein. Peut-être que c'est la plante, du coup. Je veux que vous fassiez crac-crac. Eh ben, allez voir, c'est un long cacouillage. Hein. Bon, elle va nous faire un petit somme quand même, la petite Cathy. Il n'y a pas des concours. Ah, ben, un festival à la volaille, on pourra faire ça samedi. Mais il s'occupe de notre jardin, cet homme. Il essaie de nous impressionner, surtout, je pense que c'est ça. Ah, il s'en va. Au revoir, Don. Parce que je me demandais si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Ouais, on peut aller, franchement. Très vert, hein, comme maison. Bon, on va se présenter à son mari, du coup. Mais tout le monde de la ville est là, ma parole. Niveau 3 de comédie, mais nous sommes en bout en train. Bon, je pense qu'on va faire, c'est que Cathy, elle aime bien avoir sa petite bière. On va aller aux toilettes et on va aller au pub. Il est où? Ah, là. Tu peux pas aller bosser derrière le bar parce qu'il faut qu'on te commande le truc, là. Et Katrina Caliente, elle est venue pour nous péter la gueule. Elle peut pas venir s'occuper de son bar et faire son métier, celle-ci. Ah bah voilà, elle a enfin décidé de travailler, celle-ci. On va prendre la boisson échantillon. On doit payer quand même pour l'échantillon. On lui a fourni tous les ingrédients, c'est un peu dégueulasse. Hein. Ah, c'était verdoyant malodorant que je vais tester. Bon, on va tester ça. Bon, on a préféré la verdoyante, je crois. Hein. Merveilleux choix. Entre nous, j'espérais que vous choisirez cette option. Ok, donc du coup, on a ça dans le pub maintenant. Et puis, tu vas faire un petit pipi, on va rentrer. C'est 5h du mat, la Cathy, quand même, là. Il y a un renard. Oh, elle vieillit vite, hein. Je veux pas parler trop vite, mais pour l'instant, j'ai eu aucun bug du jeu. La dernière fois, je vous rappelle combien de bugs j'avais eu. Je vous mettrai d'ailleurs l'épisode dans la barre d'infos pour ceux qui n'avaient pas vu mon test sur le pack à la campagne.
Et on ira ensuite pêcher, parce qu'il faut continuer à attraper un poisson. Allez, ma petite Cathy, va pêcher. On a vraiment de la peine hein, avec la pêche, la petite. Ouais, ils sont nouveau trop intelligents pour elle, hein. C'est pas croyable. Elle a attrapé une marguerite. Ben, j'en ai rien à battre. Moi, j'aimerais que tu aies un poisson, en fait. Ah! Eh ben, je crois que vous avez eu un bon aperçu du paysage local. Ok, parfait. Oui, tu peux aimer la pêche. Pourtant, t'es nul. Il y a toujours des gens improbables devant chez nous. Oh, c'est la foire aujourd'hui. Vous êtes prêts, mes poulettes? Pour être les plus belles de Finch Week. Elle va pas faire de vieux os, hein, quand même, cette Cathy. Moi qui pensais faire 4 épisodes. Ça commence à quelle heure déjà cette merde? 15h30. Bon, on a le temps! Et pas feu au lac! On va appeler notre cher amoureux. Je me dis qu'il pourrait passer, on pourrait aller au festival les deux. Après avoir fait des cochonneries, bien entendu. On va lui demander quand même d'être notre petite amie officielle. Comment va-t-il le prendre? Oh, Cathy, tu me fais de l'effet! Oh! Ils sont petits amis, petites amies. Allez, ils vont faire des petites cochonneries avant le truc muche de Finch Week. Oh my God! Oh, notre pote est là. Ben, viens, invité à entrer. Ah, Don s'en va. Ben, il viendra pas à la fois avec nous, c'est pas grave. Est-ce qu'on a plus de commissions pour elle qu'on pourrait faire? Est-ce que ça a débloqué des trucs? Ou on pourrait faire le truc des ragots? Ça me fait penser à la chanson d'Anastasia. On va déjeuner des sandwichs au fromage fondu et on ira à cette petite foire juste après. Non, on est plus proche de Vladish, je pense qu'on prendra Vladish. Proposer une participation et proposer une participation. Mais c'est pas Vladish ça. Mais où est ma poule? Ça me déprime. À chaque fois, il y a un qui a un bug à ces concours. Elle est un peu morne hein, cette foire, il y a un peu personne. Ouais, il se termine dans 1 heure, mais moi je me fais chier hein, pendant ce temps. Ouais, en ruban de participation, hein. Comme d'habitude. Oh, quand même première place! Grâce à Vladish, bain d'ivoire. Bain d'ivoire. Vladish retourne dans ton poulailler. Et pourquoi pas aller au marché aux puces avec quelqu'un? Bah, avec Don. Je pense que Cathy, elle a voulu voir Don aujourd'hui, c'est pour lui proposer de venir habiter chez elle. Demander à rejoindre le foyer. Ils sont devenus bons amis, c'est déjà bien. Oh, oui! On a notre cher Don qui a Dieu que pour nous, apparemment, donc notre plan a marché. C'est quoi ce dos à dos? Ils pourront même chanter au petit karaoké tous les deux. Ah, mais non, pas avec Simon Fletcher, qu'est-ce que j'ai cliqué? Mais non, ce n'est pas avec vous que j'ai envie de chanter! Ah, bah non, on peut pas. On peut pas chanter les deux. Oh, Cathy chante. Oh, mais ta gueule, Don, on écoute la reine. En tout cas, ils font la paire. Hein, chantent des faux comme des je sais pas quoi, là. Bon, ils vont rentrer. Et il est quand même pas si jeune que ça, hein, comparé à Cathy. Discuter avec Plenosas. Je crois qu'il gossipe. Attendez, on peut faire le truc des radeaux. Écoutez les ragots. Bah, écoutez les ragots des Pleno. Nancy était sur ses gardes. Cathy n'a pas pu obtenir de secret. Dis-nous les ragots, Nancy. Tu dois en savoir plein. Elle est tout le temps sur ses gardes. Fais-nous confiance. Je la laisserai pas partir, hein. Elle se barre maintenant. Je pense que c'est sur ces magnifiques tourtereaux que nous allons nous laisser. Donc, mais restez jusqu'à la fin, parce qu'il y aura bien sûr le machinima de fin, tout simplement. Et nous, du coup, on se retrouve dimanche pour mon sympa et également samedi soir en stream. Donc, n'oubliez pas tout ça. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, parce que ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Don me surprend de plus en plus. La vie à la campagne lui va si bien au teint. Comme je commence à me faire vieille, il s'occupe de tout, des poules, du jardin, de la cuisine et même des courses. Cependant, au fond de moi-même, je connais Don et je sais très bien que personne ne peut vraiment l'apprivoiser. Chasse naturelle et il reviendra au galop.